tuer les podiums et les défilés de haute couture, mannequins de renommée locale. Ils défendront aujourd'hui les couleurs de nos amis symboliciens. Oh, combien descendant d'une célèbre famille paysanne de Cernac, il avait le choix entre l'amour dans le pré et la remouille dans le nord. A-t-il fait le bon choix? À lui de nous prouver cet après-midi, Dorian Mackay. Aussi rapide que Pipit, ce rugbyman a préféré se faire surnommer Baba. Il va défendre ses chances aujourd'hui dans les arènes de Romoulin. Baptiste dit aussi Impito. Ex-collègue dans un taille, il est amateur de rugby. Attention au plaquage en contre-piste. Erwan Longué. Ancien espoir de l'école taurine de Bouillargues, Anthony Gélé. Il est plombier, son fils est casse-cou, le père aussi est venu spécialement d'Orsan, pilier du club taurin de l'odeur, Brice Bouchy. L'objectif de celui-ci est simple, le fantomasor. Qui pourra rivaliser avec lui ce soir? Anthony Maga. J'ai bien donné. De la course Camarguez, en passant par FIFA, Clinsport et surtout les glaces aux fruits rouges, il revient à son premier amour, Canté. De l'entente sportive du Pont du Gard jusqu'à la présidence de la République de l'Aidenon, Christophe Dion. Et enfin, président du comité, puis du club de foot, il est invaincu footballistiquement parlant au sein du canton, lui seul à la science des faux rebonds, Cyprien. Thank you.
les mêmes voix. Alors, allez, applaudis, s'il vous plaît. L'entreprise de serrurerie ferme pour cause de fermeture. Nous rouvrirons l'ouverture de 10 premiers. En course pour le Fantôme Sport, Anthony Babiak, 10 premiers. Quand deux chèvres complètes, peut-on dire qu'ils sont de mèche, 10 francs de plus. Francs.
Mathieu Moudon. Gérard Maoulussa, créateur de lunettes, avenue Geoffroy Péré, j'y prends le bus. David Cazorla, a.k.a. Vendu, nageur synchronisé au Roumoulin Sport Vétéran, j'y prends le bus. Les champignons n'aiment pas de sexe, l'inverse n'est pas toujours vrai, dit Prometheus.